303, il y a une personne soit qui est valide, soit qui a l'usage de ses mains, qui va diriger le bateau, gonfler les voiles, etc. Et la deuxième personne, soit elle va aider au maniement du bateau, soit elle va profiter de la séance et de la glisse sur l'eau. Et du coup, il y a un réel échange entre la personne qui est valide et la personne qui est en situation de handicap. Pour les personnes valides, c'est vrai qu'au départ, il y a un peu d'appréhension. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait des premiers tests et après on voit que directement ça se passe super bien, on sent qu'il y a énormément de partage. Quand la personne en situation de handicap monte dans un bateau, bah, y a plus de handicap en fait, ça n'existe plus, ça reste sur le ponton. C'est vrai que pour eux c'est une vraie liberté parce que bah ouais, ils laissent leur handicap et du coup tout le monde s'entend super bien, c'est génial. J'ai un BPJEPS voile à la base. Qui me permet donc d'encadrer des cours classiques. Et j'ai passé une formation d'éducateur handivoile, donc qui me permet d'encadrer sur les bateaux adaptés et le public en situation de handicap.